Il apprend son métier au cours Simon à Paris à la même époque que Jacqueline Maillan, et obtient un premier prix de comédie au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 1949. Pendant sa jeunesse, il pratique également le rugby pour lequel il gardera une grande passion. Jean Villard le recrute au Théâtre National Populaire. Il donne la réplique à Gérard Philippe au Théâtre des Champs-Élysées en 1952. Le prince de Hombourg d'Heinrich von Kleist. Jean Le Poulain est en premier lieu un acteur et metteur en scène de théâtre. Mais il fait également de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision. Il donne même sa voix dans Le Petit Poucé de Bernard Blier en 1975. Entré à la Comédie-Française en 1978. Il en devient sociétaire à partir de 1980. Puis administrateur général du 1er septembre 1986 jusqu'à sa mort. Où il tint notamment le rôle de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Il a marqué de son empreinte l'émission télévisée au théâtre Ce Soir. Avec notamment des pièces comme Le Noir te va si bien, de Doudingue, Le Minotaure, où il fut soit acteur, soit metteur en scène, ou les deux à la fois. En 1974, il s'est vu confier sa propre émission de variété, intitulée Le Poulain au galop sur la première chaîne de télévision.